je suis. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis les membres de l'église, j'ai dit, je risque d'aller là-bas. Alléluia. Parce que nous sommes toujours bien reçus, on se sent chez soi. Et nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Nous allons prier pour recommander une fois de plus la parole. La Bible dit prier sans cesse. On a prié, on prie encore. Amen. On va prier. Seigneur, nous voulons de tout cœur te remercier pour le privilège et la grâce que tu nous fais ce matin de parler à ton peuple qui t'est cher, pour lequel tu as donné ta vie et ton sang. Nous te remercions pour cela. Nous voulons, Seigneur, te demander de bénir cette parole, de parler à chacun et surtout de nous permettre d'être une bénédiction pour ce peuple. Parle à quelqu'un ce matin, s'il te plaît. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, dans ce grand thème qui nous a tous été donné, la prière du matin, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de parler avec vous d'un sous-thème. Pourquoi la prière du matin? Alléluia. Nous allons réfléchir autour de ce concept. Pourquoi la prière du matin? Vous savez, comprendre le pourquoi d'une chose vous aide à mieux aborder la chose, mais aussi surtout à tirer profit de la chose pour laquelle vous avez de la compréhension. Lorsque vous ne comprenez pas la raison d'être d'une chose, le but d'une chose, vous pouvez en abuser. Amen. Vous pouvez mal l'utiliser, vous pouvez mal vous en servir. C'est pourquoi nous allons essayer de comprendre pourquoi la prière du matin. Et ce matin, je voudrais m'étendre dans mon message sur trois principales choses autour desquelles nous allons réfléchir. La première chose pour laquelle nous voulons répondre à la question « Pourquoi la prière du matin ?» Premièrement, c'est pour donner à Dieu la première place dans notre vie. Quelqu'un peut dire « Amen ». Pour que nous donnions à Dieu la première place dans nos vies. Souvenez-vous, dans Genèse chapitre 1, le verset 1, la parole de Dieu déclare « Au commencement, Dieu ». Amen. Au commencement, Dieu. Aide-moi à dire au commencement, Dieu. Quand on dit au commencement, Dieu, ceci nous montre que Dieu veut être la première place. Il veut occuper la première place dans nos vies et par conséquent, il veut également occuper la première place dans nos journées. Dieu veut être premier en tout parce que il le mérite. Il en est digne. Tout ce que nous sommes appelés à être, nous le tirons de lui. Et nous nous devons de reconnaître et de donner à Dieu cette place-là. Amen. Ainsi, lorsque tous les jours de votre vie, vous vous réveillez le matin pour prendre des moments de prière, à chercher la face de Dieu le matin, c'est la preuve que Dieu pour vous occupe une place qui ne peut être occupée par quelqu'un d'autre. Pour vous, ça signifie qu'il a la première place dans votre vie. Et Dieu veut être au commencement de toutes choses. C'est comme ça qu'il a même institué les principes des prémices. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que tous les premiers fruits de la récolte devaient revenir à Dieu. Dieu voulait que tout ce qui est premier soit à lui. Pourquoi? Parce que Dieu estime que c'est ça sa place dans nos vies. Alléluia. Dans Colossiens chapitre 1er, versets 15 à 18. Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 18. La Bible souligne cela. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Il est l'image, on dit le Fils, hein, Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création
Et car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Écoutez la suite. La Bible déclare, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et encore, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Répétez avec moi, afin d'être en tout le premier. Alléluia. C'est un peu comme si Dieu nous recommandait cela. Dieu veut être le premier. Dieu ne veut pas être le second. Ce n'est pas sa place dans nos vies. Dieu ne veut pas être une énième personne, mais Dieu veut être le premier. Et puisque nous lui avons donné nos vies en Jésus-Christ, nous lui avons dit, Seigneur, viens occuper la première place. Avant toute chose, c'est toi qui règnes dans nos vies. Avant toute chose, c'est toi le maître de nos vies. Et dans le quotidien, nous démontrons, nous traduisons cette vérité-là à travers la prière matinale. Quand chaque matin, avant de pouvoir vaquer à nos occupations, avant de courir ça et là, dans des différentes courses, d'aller au boulot, d'aller étudier, d'aller faire quoi que ce soit, la première personne à qui nous nous adressons, c'est Dieu. Ça prouve qu'il occupe la première place dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes censés lui donner sa place. Quelqu'un a dit, parlant de la prière matinale, il dit, je ne parlerai pas aux hommes avant d'avoir parlé à mon Dieu. Tout le matin, quand il se réveille, la première personne à qui il adresse ses paroles, c'est d'abord Dieu. Il dit, si je n'ai pas parlé à Dieu, je ne vais pas parler à quelqu'un. Parce que Dieu doit être en tout le premier. Et je pense que c'est une bonne discipline qui vous aidera à toujours vous rappeler que vous devez faire la prière du matin. Quand vous prenez cette discipline de dire, avant que j'ouvre la bouche pour raconter quoi que ce soit, dire quoi que ce soit, je dois en premier lieu parler à celui qui occupe la première place dans ma vie. Alors à ce moment-là, vous démontrez effectivement qu'il a cette place et qu'il la mérite dans votre vie. Quelqu'un peut dire amen. Ainsi, tous les matins, lorsque nous nous réveillons, tous les matins, lorsque nous allons d'abord devant le Seigneur, nous lui montrons qu'il occupe la première place. Amen. Beaucoup aujourd'hui disent qu'ils n'ont pas le temps. Vous entendrez des gens, je travaille, je vais aux études, je commence tôt mon boulot. Je n'ai pas le temps pour justifier leur manque de vie de prière. Écoutez très bien, frères et sœurs, tu ne pries pas ou tu n'as pas le temps de prier parce que tu es trop occupé. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que tu ne pries pas parce que la prière ne fait pas partie de ta vie. Tu n'as pas la vie de prière. Vous savez, il y a de ces choses dans la vie que nous réussissons à faire, hein? Quoi qu'il en soit, quelles que soient nos occupations, oui ou non, est-ce que tu t'es lavé ce matin? Si tu t'es lavé, lève la main. Ah, frère, reste intègre, nous sommes dans la présence de Dieu. Hein? Faut dire la vérité. Tu vois, malgré tes occupations, tu as quand même eu le temps de te laver. Nous nous lavons, nous mangeons, n'est-ce pas? Nous allons à la toilette, malgré nos occupations. Et quelquefois, ça nous prend même plus de temps que prévu. Oui ou non? Mais pourquoi nous sommes contraints à le faire? Pourquoi nous nous levons, nous brossons les dents? Parce que ça fait partie de notre vie. Ce sont des choses qui s'imposent à nous pour mieux vaquer à ce que nous devons faire. De la même manière que tu te brosses les dents, de la même manière que tu vas dans les sanitaires, de la même manière que tu te laves, tu manges le matin, la vie des prières doit faire partie de ta vie. Pour toi, prier doit être comme te laver. Il y a des gens qui sont assez stricts, hein, ce n'est pas tout le monde. Hein. Il y a des gens, s'ils ne se lavent pas, ils ne sortent pas. Est-ce une mauvaise ou une bonne habitude? Il ne peut pas s'adresser à quelqu'un sans avoir brossé les dents. De la même manière que tu le fais, prends aussi l'habitude. Avant de faire quoi que ce soit, tu as le temps de parler d'abord à ton Dieu. Tu as le temps de parler à ton Créateur. Tu as le temps de parler à ton Sauveur. Et vous verrez que ça deviendra un style de vie. Vous allez le faire naturellement, comme vous vous lavez,
comme vous brossez les dents. Et surtout, n'oubliez pas, mes frères, dans la vie chrétienne, tout ce que nous fournissons comme effort est soutenu par le Saint-Esprit. Qu'on ne te trompe pas. Tu n'es pas fort dans la prière parce que tu es un homme spécial. Tu n'es pas fort dans la parole parce que tu es un homme spécial. Mais la Bible déclare, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. La chair n'aime pas la prière. La chair n'aime pas jeûner. La chair n'aime pas se consacrer à Dieu. Mais par le Saint-Esprit qui travaille en nous, nous aide à avoir le caractère de Christ, il nous transfère cette vie de prière-là. Et puisque le Saint-Esprit nous aide à le faire, bien-aimé, c'est possible d'avoir une vie de prière matinale. C'est possible tous les matins de se réveiller et de chercher la face de Dieu. Il y a des gens qui pensent que prier les matins, c'est comme si on leur demandait de décrocher une étoile au ciel. Ah non, mais avec mon horaire, je ne peux pas, je suis occupé, je suis un homme busy. Oui, tu es certes busy, mais si tu es busy, tu réussis quand même à manger, tu réussis quand même à te laver, tu réussis quand même à faire tous ces actes quotidiens, des actes matinaux que nous pratiquons. De la même manière, tu peux aussi réussir à prier. Quelqu'un peut dire « Amen ». De toute façon, on a toujours le temps pour les choses qu'on estime importantes. Si une chose est importante pour toi, tu auras le temps. Parce qu'elle compte pour toi. Et ainsi, lorsque nous n'apprenons pas à développer la vie de prière matinale, ça nous montre quelque part que ça n'a pas beaucoup d'importance pour nous. Mais je prie Dieu que dans ce programme, à travers toute cette parole, les enseignements qui passent ici par les prédicateurs, que le Seigneur réveille en toi cet homme de prière, cette femme de prière qui cherche Dieu tous les matins. Alléluia! Si tu le crois, dis un big amen. Donc, tu peux trouver le temps de prier malgré tes occupations. Et lorsque tu réussis à les faire, bien aimé, c'est la preuve que Dieu occupe la première place dans ta vie. La deuxième chose pour laquelle nous devons prier le matin, la prière du matin, c'est parce que Jésus lui-même priait le matin. Amen. Dans Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35, la Bible le déclare. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Je répète, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. C'est à peu près quelle heure? Ça, c'est pas 5 heures, hein? C'est 4 heures, hein? À peu près 4 heures. Il se lève. Et non seulement il se lève, la Bible dit il sort. Il va où? Dans un lieu désert où il n'y a personne. Une autre version dit il va dans un lieu isolé. Pourquoi? Parce qu'il a un rendez-vous important. Il doit prier. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, on peut avoir des bons modèles à travers les personnages bibliques ou même dans la vie quotidienne, à notre époque. On peut avoir des bons modèles et on en a. Tout le monde n'est pas mauvais. On a des bons modèles à travers des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Quand on lit la Bible, on voit des personnages remarquables comme David, des hommes comme Daniel, des hommes qui avaient des vies de prière comme Moïse et consort Élie. Mais dans tout cela, n'oublions jamais que le meilleur modèle à suivre, c'est Jésus-Christ. C'est lui le modèle par excellence à imiter. Amen, amen. Et tout ce qui est dans la vie de Jésus, nous pouvons l'imiter. Car il a été le premier à tracer le chemin pour nous servir d'exemple. Il est venu dans la chair, vivant comme un homme, pour nous montrer comment un homme rempli de l'Esprit doit vivre. Ainsi, la vie de prière de Jésus est un modèle à suivre. Vous savez, quand je lis ma Bible, je suis frappé par bien des choses dans la vie de Jésus. La compassion de Jésus. Jésus était toujours compatissant. Combien nous-mêmes nous avons besoin de la compassion vis-à-vis des autres. Quelquefois nous sommes indifférents. Mais quand on regarde Jésus, on voit comment il était intéressé. Comment il était capable de passer de s'intéresser à un pauvre mendiant. Tout le monde avait de la valeur à ses yeux. Quand je lis ma Bible, je suis frappé par les miracles de Jésus. Des puissants miracles qu'il a accomplis de manière étonnante.
Je suis frappé par sa doctrine et son enseignement. On dit de lui que jamais homme n'a parlé comme cet homme. On dit de Jésus que quand il parlait, les cœurs étaient réchauffés, les cœurs brûlés. Et facilement, les gens étaient convaincus à tout ce qu'il disait. Je suis frappé par la force des paroles de Jésus, sa sagesse. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour parler, bien-aimé, il se met des équations à plusieurs inconnus dans ses maîtres. C'était un homme qui parlait de manière exceptionnelle. Il y a des choses à copier dans la vie de Jésus. Alléluia. Mais je suis bien plus encore frappé par sa vie de prière. Vous savez, Jésus avait une telle vie de prière qu'un jour, ses propres disciples, qui l'ont tellement observé, dans Luc chapitre 11, au verset 1er, ils vont voir Jésus et disent, Seigneur, mais apprends-nous aussi à prier comme tu pries là. Vous savez, l'exemple est devenu un enseignement. Dites Amen. L'exemple est devenu un enseignement. Il leur a servi d'exemple. Tous les matins, il s'est réveillé. Tous les matins, il s'est retiré dans les lieux déserts. Et la Bible dit, comme cela était sa coutume, il avait l'habitude de le faire. Sa vie de prière était remarquable. Et les gens pouvaient constater tous les résultats qu'il accompagnait dans les journées. Alors ses disciples disent, oh Seigneur, en tout cas, apprends-nous aussi à prier. Un peu comme pour dire, ce que tu réussis à faire là, nous voulons aussi le faire. Montre-nous comment tu pries. Parce que nous n'arrivons pas, nous ne comprenons pas. Vous voyez, Christ avait une vie de prière remarquable. Et si aujourd'hui, nous nous réveillons le matin pour prier, c'est pour copier le modèle de Jésus. C'est pour imiter Jésus. De nos jours, on imite beaucoup les hommes, mais les hommes sont imparfaits. Nous imitons les hommes et des fois nous idéalisons sur les hommes. Vous savez, il y a des gens, quand nous les considérons, nous avons l'impression qu'ils dorment au ciel et reviennent le matin. Vous les regardez, regardez son allure, regardez sa culture, regardez son charme. Mais au-delà de cela, ce ne sont que des hommes. Jésus est le modèle parfait. Et c'est lui que nous devons copier. Imaginez comment Jésus, qui était Dieu incarné dans la chair sur terre, pouvait autant être sérieux dans sa vie de prière. Quelquefois, je suis arrivé à me poser des questions. J'ai dit, est-ce que Jésus avait vraiment besoin de prier? Comment il pouvait autant dépendre de son Père? Il disait, je ne fais rien par moi-même. Tout ce que je fais, je le vois faire au Père et je le fais de même. Il avait une dépendance totale au Seigneur. Lui qui était si puissant. Lui qui a opéré autant dans le surnaturel. Mais si Jésus dépendait autant de son Père à travers la vie de prière, a fortiori des êtres faibles comme toi et moi. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as besoin de développer la vie de prière à l'image de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. La troisième chose, pourquoi la prière du matin? C'est pour manifester notre reconnaissance envers Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Pour manifester notre reconnaissance envers Dieu. Dans le psaume, au chapitre 3, verset 6. Psaume, chapitre 3, verset 6. Écoutez ce que David dit. David dit, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Écoutez la version français courant. Français courant dit, je me suis endormi pour la nuit. Au réveil, je reprends conscience que le Seigneur est mon appui. Alléluia. Et c'est pourquoi David pouvait autant louer Dieu. Il dit, je me suis endormi. Et quand je me réveille, je dis, oh, Dieu m'appuie. Dieu est avec moi. Dieu marche avec moi. Bien-aimé, es-tu conscient que si ce matin, ton cœur bat, c'est parce que lui t'a fait cette grâce-là? Es-tu conscient que si ce matin, tu as le mouvement, tu es capable de bouger? Bouge un peu, bouge un peu. C'est la vie de Jésus en toi qui te fait bouger. Le vrai problème avec nous, surtout les pentecôtistes bouillants, les charismatiques, les réveillés, pour nous, la prière n'est qu'une pétition, n'est qu'une demande. Mais nous oublions les prières de reconnaissance et de remerciement. Quand tu te réveilles le matin, la première chose à faire, c'est lever tes mains et dire, Seigneur, j'ai dormi comme un mort. Et le matin, je me réveille, je peux marcher, j'ai la bonne santé. C'est la preuve que tu es mon soutien.
C'est toi qui fais battre le cœur. C'est toi qui permets à mon cœur de pomper du sang dans le corps. C'est toi qui fais respirer, qui me fais respirer. Frère, vous savez que l'être humain est un miracle vivant. Ne pas remercier Dieu et tout de suite s'attaquer dans les pétitions, c'est de l'ingratitude. Lisez bien la Bible. C'est vrai que dans la vie, on a des soucis. Il faut prier, il faut demander à Dieu. Mais il faut faire l'équilibre. Il faut avoir l'équilibre. Qu'est dit Philippiens chapitre 4, verset 6? Ne vous inquiétez, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Par quoi? Des prières. Et quoi? Des supplications avec des actions de grâce. Toujours avec des actions de grâce. N'oubliez pas les actions de grâce. Tu as prié, tu as supplié, tu as demandé, mais remercie aussi le Seigneur. Reconnais ce qu'il a fait. La plupart du temps, nous considérons que ce que Dieu fait est un acquis. Il y a des gens qui pensent que quand Dieu les bénit, là, il ne fait que son devoir. Hein? Il fait son devoir. Il doit me bénir. Dieu doit. Hey, fais attention. Fais attention. Le Dieu auprès de qui nous nous approchons aujourd'hui, ce n'est pas un Dieu qu'on pouvait approcher. Tu dois être conscient de ces choses. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque vous atteignez une certaine dimension de maturité, vos prières seront plus des actions de grâce, des louanges, l'adoration. Ah oui! Mais surtout nous ici, à Kinshasa, pour ne parler que de nous, on a transformé la prière en des pétitions. Comme on dit en lingala, sombelanga, pesanga, kabelanga. Des prières sopeka. Achète pour moi. Donne-moi. Fais ça pour moi. Et Dieu est devenu notre garçon des courses. Hein? Vous n'avez pas remarqué? Seigneur, va là-bas, touche-le. Pour que mon patron là signe le dossier. Donc tu envoies et Dieu doit courir pour toi. Mais tout ce qu'il fait pour toi là, tu ne vois pas. Et tu ne fais que demander. Frères et sœurs, la reconnaissance, c'est ce que nous appelons en d'autres termes l'action de grâce. Et l'action de grâce, c'est le fait de reconnaître et apprécier les bienfaits de Dieu dans notre vie. C'est le fait de rendre gloire à Dieu pour ses œuvres puissantes. La plupart du temps, les hommes sont ingrats. Ça, c'est la nature des hommes. Un sage philosophe disait, il dit, l'homme a principalement deux caractéristiques. La première, s'il n'est pas stupide, il est forcément ingrat. Et vous allez voir que la plupart du temps, c'est vrai. Des fois, nous commettons des erreurs, nous sommes les propres sorciers de nos vies et nous allons chercher les sorciers ailleurs à cause de notre stupidité. Mais en plus de cela, la plupart du temps, face aux besoins que nous avons, aux défis que nous avons, nous oublions la reconnaissance des bienfaits de Dieu dans le passé. Combien de personnes prennent encore tout leur temps pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait? Regardez la parabole des 10 lépreux. Nous sommes dans Luc 17. Vous connaissez cette histoire. Ils viennent à 10 pour demander la guérison à Jésus. Et Jésus leur dit, allez voir les sacrificateurs. Allez voir les sacrificateurs signifie en d'autres termes, vous êtes guéris, allez vous faire contrôler. Parce qu'à l'époque, dans la loi, on contrôlait la guérison. Une fois qu'une personne avait été guérie, il fallait que le sacrificateur l'atteste. Donc leur dire d'aller voir les sacrificateurs signifie que vous êtes guéri. Vous pouvez maintenant aller vous faire tester et on constatera que vous n'êtes plus malade. Ils se mettent à aller, ils sont en chemin. Et vous savez, les lépreux, c'était des gens misérables, qui étaient marginalisés, qui ne pouvaient pas avoir une vie comme tout le monde. Ils devaient quitter leur famille, vivre à l'entrée de la ville. Et c'est là qu'ils restaient. La plupart du temps, ils étaient mendiants. Cette condition faisait qu'ils ne pouvaient pas travailler, ils étaient impurs, ils ne pouvaient pas se retrouver quelque part. Donc Jésus, en les guérissant, Jésus n'a pas seulement guéri un problème de santé. Jésus a résolu un problème de toute une vie. Jésus a restauré leur dignité, leur place dans la société. Et c'est ça le salut. Moi, je prêche un salut intégral. Je crois que Jésus sauve l'âme, l'esprit et le corps. Et ce corps sera vaincu comme les derniers ennemis à son enlèvement. Dites Amen. Bien-aimés, ces gens vont en chemin. Et remarque, il n'y a plus de lèpre. Oh, mon Dieu, il n'y a plus de lèpre. Waouh, waouh. Les autres disent, comme en cette période, hey, il n'y a plus de lèpre. Je vais aller fêter. Je vais en boîte de nuit. Il faut que j'aille célébrer ça. J'ai entendu quelqu'un parler de manière insensée. Il dit, hé,
Mboula ezo si la kaboye. En tout cas, nenge tozo comme à la fin de la na bonne année. Il faut na zonga na kwiti moko. Vous voyez? Lui, les bienfaits de Dieu dans sa vie l'amènent à quoi? Aller s'enivrer, se débaucher. Mais regardez, tous les autres partent, un seul. Il revient sur ses pas, il revient. Il ne peut pas continuer sa route. Il se souvient de la source d'où il a reçu cette guérison. Il dit, j'étais là, ma vie était perdue, j'attendais la mort, j'attendais la tombe. Mais subitement, l'histoire a changé. Au verset 15 de Luc 17, écoutez cet homme. Il revient vers Jésus. Jésus le bénit. La Bible dit, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Donc j'imagine, il criait comme un élève qui venait de décrocher son diplôme d'état ou son bac. Oh, vous voyez cette joie-là? C'est une joie qui n'est pas contrôlée. C'est de l'allégresse. Il criait, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est bon, tu es vraiment le sauveur. Tu es vraiment le Messie. Merci Jésus, merci Seigneur. Écoutez la suite. Jésus dit, oh, n'était-il pas à 10? Mais les 9 autres, où sont-ils? Jésus est frappé par l'ingratitude des hommes. La plupart des temps, nous sommes ingrats. La plupart des temps, nous considérons les bienfaits de Dieu comme un acquis. Et c'est ça tout notre problème. Vous savez, vous pouvez avoir des défis et des pressions dans la vie, mais n'oubliez jamais que quand vous regardez votre passé, à un moment ou à un autre, le Seigneur vous a visité. Dieu a fait quelque chose et reconnaissez cela. Et je crois que la prière du matin, c'est une bonne prière, c'est un bon moment où nous devons exprimer à Dieu notre gratitude. Église, nous sommes devenus trop ingrats, comme Israël dans les déserts. Alléluia. Vous savez, on raconte une anecdote. Un jour, un monsieur a réussi à trouver les dépôts où Satan garde ses mauvaises graines. Les graines de la colère, de l'animosité, de la méchanceté, de la haine, les graines des œuvres de la chair. Il a trouvé les dépôts de Satan. Oh, il entre dans ses dépôts, il voit toutes ses graines. Mais il remarque qu'il y avait un type de graines qui était différent. Hein? Un type différent. Il y en avait en grand stock. Et puis finalement, il réussit à poser la question à Satan. Mais pourquoi toutes ces graines-là ont une quantité mesurée? Mais celle-là, c'est vraiment une quantité industrielle. Pourquoi? Ah, Satan lui dit, ça fait partie de mes secrets. Ça, c'est une graine terrible, une graine tout terrain. C'est le genre de graine, quand je la plante dans un cœur, elle réussit à tous les coups, dans tous les cœurs, elle produit. Mais, difficilement, Satan finit par avouer, il dit, il y a un type de cœur que je n'arrive toujours pas à vaincre. J'ai difficile à semer ce genre de graines dans ce genre de cœur-là. Et finalement, ce monsieur réussit à faire avouer Satan. Satan dit, les genres de cœurs dans lesquels je n'arrive pas à faire semer ce genre de graines, ce sont les cœurs des personnes reconnaissantes. Alléluia. Oui. Il dit, la plus grande graine, celle qui est en quantité, c'était la graine du découragement. Il réussit à décourager tout le monde et tout le temps. Mais une personne reconnaissante n'est jamais découragée. Même quand les défis se multiplient dans sa vie, il parle comme David. Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de toi? Espère en l'Éternel, car je continuerai à croire en lui. Je continuerai à m'attendre à lui. Je continuerai à le louer. Que son nom soit béni. C'est un Dieu qui a effacé mes péchés. Il m'a pardonné. Il m'a pris dans la boue du péché. Il a fait de moi l'homme que je suis. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je manque d'argent, je manque d'enfants, je manque de travail, que je veux oublier ses bienfaits dans ma vie. Alléluia! Que ce que tu n'as pas ne t'aveugle sur ce que Dieu a fait. Alléluia. Israël avait ce problème. Les enfants d'Israël dans les déserts. Dieu a tant fait pour eux. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Remarquez, quand vous lisez dans le psaume 78, 78, 42 à 44. Écoutez ce qui se passe. La Bible dit, ils ne se souvèrent pas de sa puissance. Du jour où il est délivré de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoa. Qu'est-ce qu'il fit?
ils ne se souvinrent pas de tout cela, ni de sa puissance, ni du jour où il est délivré de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. À cause de cela, Dieu se fâche. Car l'ingratitude énerve Dieu, attire sa colère. Qu'est-ce que Dieu fit? La dernière phrase. Il changea leur fleuve en sang et ils ne purent en boire les eaux. J'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, l'oubli de ses bienfaits lui fait oublier tes besoins. Amen. Quand tu oublies les bienfaits de Dieu, Dieu oubliera tes besoins et cela attirera sa colère. Vous savez, il y a un mot aujourd'hui qui a disparu dans le langage des hommes. Merci. Être reconnaissant. Des fois, nous sommes comme les enfants. Vous voyez les enfants? Tu lui donnes un bonbon et après, tu viens pour le lui demander. Il refuse. Il ne te le donne pas. Quelquefois même, quand il est habitué à voir ça, un jour, je rentrais à la maison, j'entends ma fille dire, « Papa, qu'est-ce que tu m'as apporté ?» Je dis, « Ah, je t'ai apporté des fruits. » Il dit, « Non, seulement ça. » J'ai dit, « déjà ça. » Alléluia. Alléluia. Vous voyez, le problème de l'homme, c'est quoi? C'est l'ingratitude. Savoir dire merci à une personne, après que cette personne vous ait aidé, c'est de la gratitude. Et c'est une façon de pousser cette personne-là à vous donner encore la prochaine fois, à vous aider davantage. Oui ou non? Lorsque tu as aidé quelqu'un, et cette personne oublie, ne s'intéresse même pas à ça. N'est-ce pas que c'est du mépris? N'est-ce pas que c'est de l'ingratitude? C'est une façon de dire, ah, ta contribution là n'a servi à rien. C'est pourquoi je n'en parle même pas. Imaginez que vous le dites à Dieu. Chaque matin tu viens, Seigneur, moi je ne vois pas clair. 2019, j'ai trop souffert. Maintenant, 2020, je dois voir clair. Ah. Donc Dieu dit, tout ce que j'ai fait en 2019, là, tu n'as pas vu. Parce que pour nous, Dieu agit seulement lorsque nous voyons les choses comme nous voulons les voir. Et c'est là notre problème. Parce que pour certaines personnes, agir pour Dieu, ça signifie quoi? Ça signifie qu'un feu descend du ciel, comme dans les dessins animés. Hein? Et puis, pouf, tu vois des phénomènes surnaturels. Pouf, une nouvelle Jeep. Ah, il a agi! Il a agi. Mais quand toute une année, tu n'es pas tombé malade, ton dos n'a pas reposé sur un lit d'hôpital, ça, tu ne vois pas ça. Il n'a rien fait. Je ne vois pas ce qu'il a fait pour moi. Mais tu ne sais pas qu'avoir la bonne santé, c'est une richesse. C'est pourquoi David dit, je m'endors et quand je me réveille, je réalise que tu es mon soutien. Lève-toi tous les matins, rends grâce. Lève-toi tous les matins, remercie. Lève-toi tous les matins, donne-lui des louanges. Car il le mérite. Alléluia. Malheureusement, Israël, Israël est le miroir de ce que nous sommes. Dans le psaume 106, nous lirons trois versets. Le verset 7, le verset 13 et le verset 21. Psaume 106, verset 7, verset 13 et verset 21. Quand tu lis ça, dis-toi, ça, on parle de moi. Le psaume 106, verset 7. Écoutez. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à ces miracles. Ils ne furent pas quoi? Pourtant, c'était des miracles, mais ils n'étaient pas attentifs. Ils ne se rappelèrent pas de la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer rouge. Verset 13. Ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Verset 21. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait des grandes choses en Égypte. Ils l'oubliaient. L'homme est un être oublieux. Dans la vie, si vous avez un certain âge, hein, et vous êtes responsable, vous savez de quoi je parle. Parce que la plupart des responsables vous diront, oh, pff, quelquefois il y a des gens qui sont découragés de continuer à aider les gens. Non. Que la mauvaise foi des gens ne te change pas. Garde ton cœur. Continue à être cette bonne femme, ce bon monsieur. Alléluia. Qui ne réussissent pas à te changer, demeure ce que tu es. Quelqu'un peut dire amen. Donc, l'expérience du désert avait amené les enfants d'Israël à ne plus se souvenir des bienfaits de Dieu. Il est vrai qu'il n'est pas facile de se souvenir des bienfaits dans un désert quand même. Ce n'est pas facile. Mais lorsque vous avez la révélation de Dieu, vous ferez comme Paul et Silas. Vous êtes en prison, enchaîné. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous chantez les louanges. Vous dansez.
Bien-aimé, même si tu es en prison, rends grâce, loue-le. Quelqu'un peut dire amen très fort. Même si tu passes par les déserts, cela ne t'empêche pas de lui être reconnaissant. D'ailleurs, ceux qui ont la révélation savent que lorsqu'on apprend à le louer, à lui rendre grâce dans la prison, il y aura tremblement de terre. Les chaînes seront rompues et toutes les portes s'ouvriront. Quelqu'un peut dire amen très fort. C'est pourquoi même quand je souffre, je manque de tout, je dis non Seigneur, il y a certainement des choses pour lesquelles je peux te louer. Il y a certainement des choses pour lesquelles je peux te rendre grâce. Ainsi, fais de ta prière du matin une action de grâce. Rends grâce à Dieu continuellement. Bénis-le pour ses hauts faits. Et vous savez, les sujets d'action de grâce, il y en a beaucoup. Il y a la santé, il y a la famille, il y a l'église. Il y a le pasteur, il y a les responsables, il y a les frères et sœurs, il y a la parole qui est prêchée, il y a toutes ces valeurs spirituelles, le salut en Christ. Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'en Jésus, toi, tu verras Dieu, tu le verras tel qu'il est comme ça. As-tu jamais pris le temps de dire merci à Dieu pour tous ces termes compliqués? L'expiation, la justification, la propitiation. Quelqu'un peut dire amen très fort. Tout ceci révèle la puissance de l'œuvre de la croix. Alors remercie Dieu pour ça. Remercie Dieu pour le baptême du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es faible, quand tu fais korobocha, tu sens la puissance revenir. Remercie Dieu pour toutes ces choses, les dons qu'il t'a donnés, la position que tu as dans l'église, ce que tu fais. Mais aussi remercie-le pour le matériel. Tu manges tous les jours. Regarde-toi, malgré que tu es orphelin, mais un orphelin ne ressemble pas à toi. Regarde comment tu es. Tu es tellement en bon point qu'on a du mal à croire que tu es un orphelin. Pourquoi? Parce que Dieu te prend en charge. Dieu s'occupe de toi. Voilà pourquoi ce matin, avec toi et moi, nous voulons crier. Je m'endors et je me réveille. Je réalise que l'Éternel est mon soutien. Lève tes mains là où tu es, bien-aimé. N'oublie pas ces trois choses. N'oublie pas ces trois choses. Pourquoi la prière du matin? D'abord, pour donner à Dieu la première place. La deuxième chose, parce que Jésus l'a fait. Il est notre exemple. Et la troisième, pour lui exprimer notre gratitude. Est-ce que Jésus a fait quelque chose dans ta vie ce matin? Malgré tes challenges, je sais. Tu es peut-être là, tu n'as pas d'enfant, mais tu as la bonne santé. Quelqu'un a dit, si tu as perdu quelque chose, Dieu est la raison pour laquelle tu n'as pas tout perdu. Hein? Tu as perdu un véhicule, mais toi tu es vivant. Tu aurais préféré quoi? Mourir? Ah. Tu as perdu un boulot, mais tu as la santé. Donc, il y a toujours un sujet d'action de grâce. Et pour ça, nous pouvons abonder en action de grâce. Nous pouvons bouillonner en action de grâce. Alléluia. L'action de grâce peut couler, comme dit le psalmiste. Des paroles de charme remplissent mon cœur. Des paroles, je voudrais que mes paroles soient comme la plume, un stylo dans la main d'un habile écrivain. Pour que je te chante toutes les poésies, toutes les belles choses. Quelqu'un peut dire amen. Je me souviendrai toujours de ses frères. Il y a très très longtemps, lorsque nous commencions la vie chrétienne, ce frère venait de se convertir. Il n'avait pas une très grande expérience avec le Seigneur. Nous nous étions habitués à nos prières. Je te loue, je te bénis, je t'adore. Je te loue, je te bénis, je t'adore. Mais ce frère s'est levé alors qu'on faisait des prières individuelles à tour de rôle. Il dit, Seigneur Jésus, quand je vois d'où tu m'as pris, ce que je suis devenu. Jésus, tu es un chic type. Ah! Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, hé, il y a adoration et adoration, hein? Alléluia! Il a dit dans ces termes, dis avec moi, Jésus est un chic type. Moutoumoko bien, moutoumoko malamou. Alléluia! Acclame Jésus! Acclame Jésus! Acclame Jésus! Acclame Jésus! Acclame Jésus! Acclame Jésus! C'est lui qui pourvoit à tes besoins. C'est lui qui essuie tes larmes. C'est lui qui te relève lorsque tu es courbé. Il te comprend mieux que quiconque. Même là où les hommes ne te comprennent pas, lui te comprend. Il ne t'aime pas pour l'argent que tu as. Il ne t'aime pas pour la position que tu as. Mais il t'aime pour ce que tu es.
Alors rends grâce à Dieu, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il est pour toi un refuge, il est pour toi un abri, c'est un secours qui ne manque jamais dans la... Est-ce qu'on peut abonder en action de grâce ce matin? Levons nos mains là où nous sommes et remercions le Seigneur. Je veux que tu dises merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à haute voix. Oh Jésus, je ne veux pas seulement venir le matin pour te demander, mais je veux aussi venir le matin pour t'être reconnaissant, pour te remercier, pour te remercier, pour te remercier, te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es digne de louange. Alléluia, 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 alléluia. Chantez-nous un cantique d'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Mas don't know.